à toutes et à tous, c'est Tyrone, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre mode carrière avec Valence. J'espère que vous allez bien, moi en tout cas, ça va super bien. Alors, la dernière fois, normalement, on a sauté un match et oui, on a perdu contre les Ventés. Ouais. 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 1-0. Un but de José Antonio Sainz. Bah ouais. Problème du jour, les trois matchs se suivent. Trois énormes matchs. Le Barça en championnat pour commencer au Camp Nou, à Malmö et le Real à la maison. Bon, bah on commence par le Barça. Alors, le Barça. Oui, parce que lui, il doit jouer. J'ai réussi à calmer. Je sais plus qui c'était déjà qui était un peu énervé, mais il s'est calmé. Maintenant, il faut que je calme Vink. Voilà, donc ça veut dire qu'il faut le faire jouer au maximum. Dani Parejo, voilà. Ok, bah tout est prêt. Negredo, donc ouais, parce qu'on a un petit souci, hein. Bien sûr, vous savez que Balde Keita est blessé, donc on peut pas le mettre, malheureusement. Donc, non, Danilo, t'es trop fatigué, s'il te plaît, respecte un petit peu tes camarades, voilà. Bah tout est bon, bah on peut y aller, hein. Allez, on va aller affronter le Barça, le géant barcelonais. Qui pour l'instant n'est pas premier, c'est Séville qui est devant, pour le moment. On n'a pas encore joué notre match. Alors donc leur compo habituel où ils vont nous massacrer. Ils vont nous massacrer quoi. Hein, Suarez, Rakitic, Neymar. Ouais, c'est la grosse équipe quoi. Par contre la défense, ouais, voilà, à part Piqué, voilà. Victor, ouais, Velman, ouais, pas Kouraru, ouais. Ouais, ça va être un peu compliqué. Oui, on va essayer de créer la surprise. On y croit tous. On y croit pas du tout, ouais. Absolument pas. Mais bon, on peut faire un miracle. Allez, c'est parti au Camp Nou. Soit c'est la fessée, soit alors on essaye de choper le match nul. Ah, ça commence mal. Pukaro, attention. Pukaro. Oh, Neymar, oula. Bon, ça va, pour qui était là. Ça fait même pas 4 minutes qu'ils sont déjà à l'attaque. C'est zinzin. C'est touche. Très bien. Bon. Ouais. Neymar. Oh, attention, victoire encore. Messi. Messi. Voilà. Oh là là, oh là là. On s'est fait peur. On s'est fait peur. Non, 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 non. Montrez que j'ai du caractère. Concentrez-vous surtout. Il faut rester concentré. On ne touche pas à la tactico. Jamais mauvaise idée. De toute façon, c'est le Barça, même si on jouait à 12 derrière, ça sert à rien. Bon, faire quelque chose. Faut pouvoir les contrer. Bon, Neymar, on le voit un peu trop. Messi, on le voit un peu trop aussi. C'est qui qu'on voit aussi? On a vu Rakitic aussi, donc il faut le marquer. Faut casser un peu les jambes, on s'en fout. Hein. Un foot, c'est le Barça. Techniquement, dans la réalité, c'est l'Espagne contre la Catalogne. Ah, je rigole. Après, Thiago et machin, on les a pas beaucoup vus. Bref. Non. Sinon, bah ça, ça peut rester là. Par contre, c'est bon. Puisqu'on est à la 17ème minute. Oui, pendant une fraction de seconde, je croyais qu'on était déjà à la mi-temps. C'est pas grave. Allez, Cartabia. Ouais, c'est pas grave. Attention, Suarez est parti. Ouais, ça va. Pour qui ça va? Et pour l'instant, il est là. Pour l'instant, il est là. Attention. Eh, Kondogbia, bah pourtant. Pourtant, on l'avait pas vu du match, Geoffrey. Eh bah, il marque, hein. Geoffrey Kondogbia. Ouais, qu'est-ce que tu veux faire? Bah, petit souci peut-être au marquage. Sur le corner, sur le coup franc. Bon, bah écoute. Bah, pourtant, on n'est pas vraiment. Enfin, je sais pas, on essaye de tirer, mais voilà, ça... oh d'accord, ok. Ok. Ouais, bah après c'est le monstre, hein. C'est la machine, qu'est-ce que tu veux faire? Ouais, ouais, bah marqué, ouais. Bon, bah les couilles. Ouais. On sait qu'on va pas gagner, ça sert à rien. Ça sert à rien de me mettre en contrée ou quoi que ce soit, changer quoi que ce soit, ça sert à rien. C'est le Barça, point barre. C'est... bah oui, je sais, mais bon, il faut que je lui ferme la gueule à Vink. Donc bon, il faut qu'il joue, malheureusement. Allez, peut-être une réaction. Bah oui, Reyes, voilà. C'est super. Allez, on encourage. C'est bien. Voilà, une réaction. Yaya, ouais, en fait, ça avait bugué. Reyes,
Ouais, grosse frappe du droit, et ouais, bah, vous pouvez rien faire, Ter Stegen. Bravo, Reyes, excellent, voilà, on répond. Bon, là, il nous roule dessus. Attendez, peut-être ça va se calmer. Ouais, ça s'est calmé. Bon, alors, non. Par contre, le chien va se calmer, attention, hein. On va pas être copain, hein, sinon je vais lui présenter Abdennour, et lui dire attention, hein. Non, j'école. Faites un bon match. Non, faites pas un bon match. Qu'est-ce qu'on peut dire? On va peut-être pas être agressif, ça sert à rien. Ils font du bon boulot, c'est pas tout à fait. C'est pas vraiment vrai, ça. Hein. Sincèrement, je. Bon, allez. Ah, ils sont d'accord. Bah, ok. Bah, écoutez. Pourquoi pas? Bon, ça, on va pas toucher parce qu'il va me donner. Il va m'enlever des trucs que j'ai pas envie. Thiago, par contre, il dit. Voilà, comme ça, au moins, c'est fait. Hein. Voilà, on marque tout le monde. Bon, allez, cette deuxième période. Ah, pourquoi pas Vink, allez, faut se réveiller les gars. Pas mal. Parejo, non. Attention à la contre-attaque. Non. Oh, Mustafi, s'il te plaît, quand tu fais des interceptions. Neymar, voilà, c'est parti. Sans but. C'est ça. Merci Mustafi. Tu aurais fait ton intervention de façon correcte. Il n'y aurait pas eu but. Voilà. Bon. Et ben voilà, tant pis, salut. Voilà, hein, si aussi les joueurs ne jouent pas. Hein, désolé, Mustafi, là, il est fautif, il fait pas bien son intervention, donc du coup, ça part tout de suite, hein. C'est expéditif, hein. Ouais, mais regarde-moi ça, regarde-moi ça! Mais regarde, mais. Oh là là, heureusement que le poteau. Aïe aïe aïe, au secours. Non, non, tu peux rien faire, il roule trop, il roule trop. Il roule sur tout le monde. Ah, peut-être la rue Pedro! Oh, non, mais arrête! Le peu d'occasion qu'on fasse pas comme les Hongrois, comme les. Bah ouais, comme les Hongrois quoi. Quand même. On tire sur la barre, le poteau, tout ça. Attention. Bah oui. But FIFA. Le but qui revient dans les pieds, et puis voilà. Peut rien faire, j'en ai rien à foutre, on peut rien faire. Tant pis, c'est pas grave. 5-9. Et après, il veut jouer, mais fin, mais t'es sérieux, Vink, mais. Mais va bien crever dans un caniveau. Ouais. Putain. Ah non, mais sérieux, ce gars-là. Et le pire, c'est que monsieur, il est pas content. Mais c'est normal que tu joues pas, t'es nul. 5-9. Même tes coéquipiers qui sont pas bons, ils ont 6-3 au pire. Allez, Rui Pedro, peut-être sur le côté. Faut donner. Gaïa. Reyes. Johnny. Validé. André. Bon. Contre-attaque. Sur perte de balle stupide, encore une fois. On note, hein, ça fait deux buts stupides et deux et deux et pas de trois. Heureusement. Allez, le 4-2 peut-être. Cartabia. Ouais. Il était pour jeu, mais je t'en veux pas. C'est pas grave. C'est pas grave. Bon, bah tant qu'on y est, hein, c'est bon, tu m'as gavé. Ouais, il est temps de faire jouer les jeunes. Allez, piste. Puis Camacho à la place de Parero qui fait un match. Attends, Gaïa. J'ai pas de défenseur gauche sur le banc donc je m'en fous. Donc j'ai dit Parero. Voilà. Fini le match, hein, rien à foutre. Hop, on fait tourner, on évite les blessures et puis voilà. Allez hop, terminé. Puis poubelle, regardez-moi ça. Rien faire. De toute façon. Je me serais même mis en contrée ou en ce que vous voulez. Je suis sûr que vous allez me dire dans les commentaires, oui mais c'est sûr, tu joues en très fluide et tout ça, mais quel que soit le truc, le Barça, c'est le Barça. C'est tout, point barre. Tu ne peux que dire pardon, pardon madame, pardon monsieur. On n'a pas l'équipe, on n'a pas l'effectif pour les concurrencer. On l'a pas encore. On l'a pas encore, il faut attendre. Il faut faire progresser l'effectif petit à petit. Ah pour l'instant on a rien, tu peux rien faire contre ça. C'est impossible. Tu ne peux. Ouais voilà, marquer un but pour l'honneur. Voilà, parce qu'on a un peu d'honneur, donc on marque un petit but, peut-être un deuxième là. Ouais, André, bah voilà.
Voilà, André, voilà, un peu d'honneur, voilà, c'est bien. Voilà, au moins on rentre pas trop ridicule. On a le double de tir de moins qu'eux, mais c'est pas grave. Voilà, 4-2, au moins on rentre pas ridicule. On aura marqué 2 buts. Ah, décevant, ouais, enfin. Tu peux rien faire, c'est le Barça, bonhomme. Hein. Qu'est-ce que tu veux faire? On va dire qu'on arrive peut-être plus à concurrencer l'Atlético, peut-être. Je dis bien peut-être, regardez, on les avait battus. Bon, l'Atlético, ça va. Le Real, pour l'instant, on va les affronter justement dans le dernier match. On verra bien, mais pour l'instant, le Barça, c'est trop au-dessus de nous. Quoi qu'on fasse. Bon, bah, les amis, on se retrouve pour Malmö. Eh bien, on se retrouve pour la suite de l'épisode avec Malmö, le match de Ligue Europa. On joue donc au Swedbank Stadion. Un stade quasiment flambant neuf. Bon. Eh ben, pour ce match, on va jouer quasiment la même équipe, sauf que Marcos Alonso remplace Gaia, qui est suspendu, donc Johnny suspendu aussi. Ahmed est blessé, tout comme Keita. Donc sur le banc, c'est d'autres joueurs. Sinon, le reste de l'équipe, c'est la même. Du coup, Vink, il est plus mécontent. Pff, lourd. Le mec, il a fait 2 matchs, dont une grosse défaite. Le mec, il est plus mécontent. Si tu veux, bonhomme. Allez, on y va. C'est donc la 4e journée du groupe J. Voilà. On va voir ce que ça donne. Hein. Normalement, on devrait gagner, enfin, j'espère. Oula, qu'est-ce qui nous avance là, les enfants? Un 5-3-2. Ouais, en attaque, ça ressemble à un 3-5-2. Et en défense, c'est ça, c'est un 5-3-2. D'accord. Ok. Leur valeur, non. Mais. Ouais. Bon, ça m'a motivé quelques-uns. Il va falloir. Oh, oui. Ouais. C'est tout. Ok, bon, bah allez, hein, tant pis. C'est parti. Allez, match de Ligue Europa. On va essayer de les battre quand même. Malmö, ça devrait passer quand même. Enfin, j'espère. J'espère, j'espère. Allez. À l'extérieur, faut faire attention. Ils vont jouer la défense contre-attaque à mort. Donc, va falloir faire gaffe. Allez. Pedro. Oh, dommage. C'est pas terminé. Oh, Vink, vas-y. Lourd. Bon, on est déjà à 6 tirs, 3 cadrés contre 1. Bon, 7. Vink. Vink. Ouais. Gomez. Oh, le péno! Joël Friberg qui fait l'erreur sur Pater Negredo. Je te laisse cette dernière et ultime chance. Va te faire foutre. C'est définitif, tu tires plus jamais un penalty de ta carrière. Après le match, je m'en occupe, tu tires plus jamais le moindre penalty de ta carrière. C'est fini. Parejo. Reyes. Parejo, non. Attention aux contre-attaques des Suédois. Attention, c'est Rick. Friberg, celui qui a causé le penalty. Stoger. Ouais, bien. Allez, c'est pas mal, Negredo. Allez, rattrape-toi. Rattrape-toi. Lourd. 3 points pour le Stade Toulousain. Si tu veux. Lol, lol, lol. Negredo. Negredo. Bon, alors, merdique. Vous allez vous enlever les doigts du cul. Bon, bah voilà, ils sont déterminés, motivés et inspirés. Bah, j'espère. J'espère que vous allez les boire quand même. Allez. On va pas se laisser faire par une défense contre-attaque, s'il vous plaît. Un peu d'honneur là. Allez, 19 tirs à 2, quoi, lourd. Allez, Reyes. Negredo et Pedro. Et Pedro, Cartabia. Cartabia, lourd. 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 22 tirs à 2. 22 tirs à 2. Bon, 6-2, tu sors. Tu me saoules. Casse-toi. Voilà. Dégage. En hiver, tu dégages. Allez. Hop là, c'est décidé. Ça fait déjà quelques matchs que ça commence à me courir sur le haricot. Il va dégager Dardar. C'est bon, ça suffit. Légende ou pas légende, au bout d'un moment, faut arrêter les frais. Regardez bien que ces connards, ils vont marquer un but. Oh là 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 là, mais vous allez me les planter. Allez. Corner.
Oui. D'accord, je sais pas ce que c'était. André Gomez. Ouais, d'accord. Je savais pas que t'étais cloué un peu alcoolo sur les bords, oui, Pedro. Va falloir régler ça. On ne trouve aucune solution. C'est un truc de dingue. On ne trouve aucune solution. On ne trouve absolument aucune solution pour manœuvrer ces Suédois. C'est un truc de dingue. Je sais pas, faut essayer l'offensive, j'en sais rien là. Allez, putain. Sérieux, les gars. On peut pas mettre prendre la défense de vitesse, non? Voilà. Allez. Voilà, Mustafi, c'est bien, bonhomme. Terrain, voilà. C'est bien, bonhomme, voilà. Excellent. Vink, il se rattrape. Et là, pas de marquage. Voilà. Premier poteau, en plus, c'était excellent. Voilà, enfin. Ça a fonctionné, hein. Il fallait que je me mette en offensive. Prenez la défense de vitesse. Oh, sur le corner encore. Oh, popo! Contre son camp, Minala. Minala, la mutinerie! La mutinerie sur le navire Malmö! Oh là là! Pff, magnifique tête! Merci bonhomme! Excellent! Pff, merci beaucoup! Merci, c'est l'hospitalité suédoise! Merci! Merci beaucoup! Voilà, 2-0. Bon, ça a été chaud, hein, il a fallu manœuvrer un petit peu tactiquement pour battre une défense à 5. Et de la chance pour le deuxième but. C'est bien. Bon, ça a été un match rapide, hein. 29 tirs à 7. 2-0. Bon, au moins on est premier. Voilà. C'est ça, on est premier. Voilà, une victoire. Tout va bien, c'est cool. Voilà, génial. Et on... Ah non! Oh! Bravo! Bravo les gars. Qualification dans le groupe E. Bravo. Eh oui, qualification. Ah oui, non, mais d'accord, le Rapide de Vienne et la Poel, 1 et 1. Nice, à part avoir perdu contre Manchester, ils ont battu les. Bravo, les gars. Bravo. Champion. Nous aussi, on est qualifiés pour la suite. Super. Bon, bah, c'est super. Eh ben, nous, on va se retrouver pour le Real Madrid, justement, pour le dernier match. Bien, donc nous revoilà pour le dernier match de l'épisode face au Real Madrid à la maison Nuevo Mestalla. Les changements dans l'effectif, donc Johnny retrouve sa place, Van Beek reprend la sienne, Gaïa pareil. Et sinon, bah pas d'autres changements, puisque vous savez bien que il est toujours blessé Baldé Keïta, donc il ne peut remplacer. Enfin, on est toujours obligé de se taper lui devant. On fait un peu jouer, mais après, ouais, hein, bien sûr, s'il faut faire rentrer Valencia ou les autres, il n'y a pas de problème. On est parti face au Real Madrid. Un Real Madrid pas vraiment en forme, hein, un peu comme nous. Ils sont 6e, nous on est 8. Va falloir se rattraper pour raccrocher le bon wagon. Oh tiens, une compo qui me rappelle quelque chose. Cristiano, donc Bale, Isco, Rodriguez, Kroos, Darder, Shaw, Ramos, Varane, Danilo, Navas dans les pions. J'espère que ça va vite se calmer derrière moi. Encore une fois, c'est très pratique. Allez, on est parti donc pour ce dernier match de l'épisode face au Real Madrid. Allez, faut essayer d'accrocher la victoire, ça va être difficile, mais on peut le faire. Enfin, j'espère. Allez, quand même. C'est un peu embêtant, j'espère. Si ça s'arrête pas, je vais devoir couper. Non, ça va, ça se calme, c'est bon. Pas possible. Bah, les conditions pour filmer sont pas très bonnes, c'est pas parti. Bon, je fais une pause. Bien, me revoilà. Ça y est, on a pu calmer la chose. Enfin, la bête. Mi-temps, bon bah c'est. Bref. Bon, on baisse pas le rythme. Voilà. Parce que ça va. On arrive à les maîtriser. Mais on n'arrive pas à accélérer la chose. Il va falloir accélérer la chose. Essayer de les battre. Allez. Deuxième période, donc on poursuit. Mustafi, Gaïa, non, c'est Johnny. Van Beek, Reyes, Gaïa. Allez. Réveillez-vous devant, je comprends pas. Negredo, tu fous quoi là? En régression totale. Gaïa, Reyes,
Allez. Allez, allez, on y croit. Parero, oui. Gaïa. Gaïa, oh, non. Rien du tout. Danilo qui repart. Bon, attention. Ouais, Volante. Ouais, bien. Parero. Negredo, Rupedro peut-être. Rupedro, il est passé. Rupedro, non. Non, mais c'est pas possible, Navas. T'es un ninja ou quoi? Mais. 6, 3, 6, 4. Non, mais Negredo, Negredo, tu me saoules. Tu me saoules, je te jure, j'en peux plus. Dégage. Putain, mais sérieux, il est chiant. Oh, faire des 6-3, 6-4, mais putain, mais enlève-toi les deux du cul, bordel. Oh, vivement que Baldé revienne, hein. Allez, Parero. Reyes. Johnny, allez, à l'idée. Ouais, Johnny, gardien. Ouais. D'accord. Oui, pourquoi pas, Santos. Il est frais. Le Pedro, cette fois-ci. Règle la mire, Termi, bordel. Il va falloir reprogrammer la machine, là. Hein. Ah, yes oh Santos, tu l'aurais... Ah, mais il y a corner. J'ai rien dit, Cartabia. Oh, Rui Pedro. Mais... Ah, voilà. Enfin, Rui. Bravo, bonhomme. Eh bah, dis donc. Enfin, on a réglé le bug. On a fait la mise à jour 1.5. La 1.5 a aidé. Voilà, la mise à jour a fonctionné. Ça a été un peu dur, mais la deuxième frappe, boum. Voilà, terminé, merci. Eh ben, dur, hein. Dur, dur, mais on y est arrivé. Bon, Reyes. Et, merde, je suis pas venu avec assez de mieux centraux. Flûte. Flûte et archi-flûte. Bah, tant pis. On va plutôt assurer derrière. Moustafi, il est un peu trop cramé. Badal, il a besoin de jouer un petit peu. Carlos, allez. Voilà, donc, on va surtout te dire. De façon agressive, restez concentré. Voilà. Faut qu'il reste attentif. Le regard sur le terrain. Allez, on finit ce match. 1-0. C'est pas Jojo, mais on le mérite. Voilà, victoire 1-0. On l'a fait, on a battu le Real. Bon, ça veut dire qu'on a... on a le niveau pour battre l'Atlético. On a le niveau pour battre le Real. Mais on n'a pas le niveau pour le Barça. Bah, pour l'instant, le Barça, c'est trop fort pour nous. Donc, on a fait tomber le Real de son piédestal, mais on a égalité, quoi. On est les deux équipes qui n'ont rien à foutre à cette position-là. Levante n'a rien à foutre là, tout comme... Séville, peut-être pas rien à foutre là. Premier, enfin, ici, premier, c'est normal. Mais premier, là, pour l'instant, bon, c'est bizarre. Mais bon, ça veut dire que, pour l'instant, il faut une saison irréprochable. Le Barça a perdu. Je voudrais bien savoir contre qui. Parce que là, sincèrement, les deux qui ont battu le Barça, je leur tire mon chapeau. C'est qui? Séville Real. Oui, bah ça se comprend, d'accord. Ouais. Bon, ok. Ouais, après, c'est... Bon, après, quand même, je dis ça, mais après, c'est le Séville de 2020. Donc, attention, c'est plus la même équipe. Ça veut dire que, quand même, ils ont du lourd. Donc, je pense que, pour l'instant, voilà, faut rester calme, mais... Ah, bah il faut donner un coup de colis. Prochain épisode. Donc on saute Oviedo, c'est normal. Hein. Là, je vous montre l'équipe, hein, Oviedo SAD. Petit club qui est monté, je pense, il y a quelques pas dans les dernières saisons, là, dans la partie. Bon, ça on saute, hein, donc Young Boys on commence, hein, donc le groupe J. Bon, on est qualifié, donc on pourra faire tourner. Séville, la grosse confrontation, et le Pana pour terminer. Voilà, bon, ça va. Après, Juan, je crois qu'on dit comme ça, Juan, en quatrième tour de Copa del Rey, c'est pas intéressant, hein, donc ça, on le sautera aussi pour la fois d'après. Ne vous inquiétez pas. Bon, et ben c'est tout pour aujourd'hui. Au championnat, bah, ça donne après 12 journées qu'on est 6ème. Hein, on a un point de retard sur la 4 et 5ème place tenue par l'Atlético et Levante. Les premiers sont un peu loin, surtout Séville et le Barça qui roulent sur tout le monde, qui marchent sur l'eau. Faudra faire attention. Bon, bah merci à tous et à toutes d'avoir suivi cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, commentaire, pouce bleu, Twitter, Instant Gaming, PlayStation No, pareil comme Instant Gaming. Si vous voulez des cartes PSN pas chères, sécurisées, il n'y a aucun problème. Allez-y, faites-vous plaisir, il n'y a pas de problème. Un petit tour sur vos états si vous avez envie. Et puis on se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode de cette carrière en espérant que ça soit... Allez, un petit peu plus de victoires qu'aujourd'hui. Il y en a eu, mais... Ah, j'aurais préféré le perfect. Allez, à la prochaine.